complet pour notre deuxième numéro de Croque Lecture. Nous ne vous laisserons aucun répit. Dégustez le plat du chef avec, au choix, le premier tome du Chevalier Déon, Agent secret du roi, ou le nouveau roman de Jean-Claude Mourleva, Terrienne. Suivi d'une délicieuse brochette de livres composée d'Anges, tome 2, de 17 lignes, d'Opération Phénix, tome 3, et enfin des Portes de Dorégone. Nous continuerons bien évidemment par Le Réchauffé et les romans publiés en janvier 2009. Un grand cru avec Mesdemoiselles de la Vengeance, Lou Archer et La Fin du Monde. Enfin, je vous présenterai dans la rubrique Mise en Bouche, en compagnie de Caroline et Gabriel, les sorties les plus alléchantes du mois de janvier 2011. Et bien sûr, nous clôturons ce journal par une citation d'un livre de Jean-Claude Mourleva, Le Chagrin du Roi Mort. Je vous souhaite une agréable dégustation et une très bonne lecture à tous. Bonjour, bienvenue sur le plateau de Croque Lecture. Nous allons immédiatement commencer par le plat du jour. Caroline et Gabriel vont commencer par nous parler du Chevalier Déon, un roman croustillant qui a fait son entrée le 5 janvier dans vos librairies. Alors les filles, vous pouvez d'abord commencer par nous présenter l'auteur de ce livre ? Anne-Sophie Sylvestre pratique la médecine dans les hôpitaux de Paris. Elle a écrit une quinzaine de romans sur des thèmes historiques, mythologiques ou plus contemporains. Elle a publié chez Casterman, Hachette, Milan, Nathan et principalement chez Flammarion. Elle est aussi l'auteur de mini-récits dans des magazines jeunesse chez Bayard. Son principal succès est Une princesse à Versailles, mais elle a aussi écrit Atalante, Marie-Antoinette, Mon ami Louis et bien d'autres. Alors, comme tu nous l'as dit tout à l'heure, Élise, le roman Le Chevalier Déon, tome 1, Le Masque, est sorti le 5 janvier dernier. Il aborde différents thèmes, comme les thèmes historiques. Donc il y a Louis XV, la cour, l'impératrice Élisabeth Ière de Russie et forcément le Chevalier Déon. Il y a aussi les thèmes de l'espionnage et du travestissement. Alors Caroline, quelle est l'histoire ? Alors d'abord l'histoire se déroule au XVIIIe siècle, donc au temps de Louis XV. Alors c'est l'histoire d'un jeune chevalier nommé Charles Geneviève qui est vraiment doué pour la comédie. Il rend régulièrement visite à son amie la comtesse de Rochefort où il met son talent à profit avec ses compères. Il peut imiter n'importe qui, mais alors n'importe qui, hein, et en particulier les femmes. Alors oui, en un rien de temps, avec un peu de maquillage, un brin de toilette et une belle robe, il est métamorphosé en une jeune et jolie demoiselle. Mais il n'empêche qu'il n'en reste pas moins masculin lorsqu'il s'habille en homme. Mmh. Un jour, un défi incroyable lui est proposé. Au bal du duc de Nivernais, il se présentera en tant qu'une jeune fille et pas en tant qu'homme. Tout en sachant que Louis XV sera présent à la festivité. Défi qu'il accepte finalement, malgré les risques, et après avoir longuement hésité. Seulement, au cours de la soirée, sa beauté et sa pureté sont remarquées par le roi, qui voudrait l'attirer dans ses appartements, et plus particulièrement dans son lit. Donc le roi, le chevalier, se retrouve entraîné dans le mythique parc aux cerfs, où la rumeur dit que les maîtresses occasionnelles du roi sont logées. Le roi, empressé, essaye d'embrasser le chevalier malgré ses protestations. Et heureusement pour lui, le chevalier arrive à se dégager à temps, mais il se retrouve entraîné par terre avec le roi allongé l'un sur l'autre. Donc voilà. Donc, et là, le souverain découvre la véritable identité du chevalier. Donc que va-t-il se passer ? Comment le roi va-t-il assimiler la nouvelle ? À découvrir dans le tome 1, Le Masque du Chevalier Déon, agent secret du roi. Et sinon, qu'est-ce que vous avez pensé de ce livre ? Alors, malgré une couverture plutôt décevante à mon goût, j'ai trouvé ce livre vraiment génial et je peux vous dire que c'est pas vraiment les livres historiques qui m'attirent le plus. J'étais plongée dans le livre du début jusqu'à la fin. Le Chevalier Déon a réellement existé en tant que célèbre espion à la cour du roi, laquelle n'a jamais su s'il était homme ou femme. En plus, il y a pas mal de situations drôles, notamment le passage où notre héros déguisé en femme tombe dans les bras du grand roi de France. Donc bah, justement, je vais vous le lire. Alors, au même instant, son pied chaussé d'escarpins à talons appartenant à Élisabeth Henriette, auquel il était mal habitué, glissa sur le parquet qui était à cet endroit dépourvu de tapis. Il tomba à la renverse en poussant un cri et en fauchant le roi du même coup. Louis XV tenta de se raccrocher au dossier du sofa qui bascula. Déon et le roi se retrouvèrent sur le sol, empêtrés dans la robe à panier du chevalier et en partie coincés dans les pieds du meuble renversé. Charles Geneviève ressentit soudain une sorte de stupeur du souverain. Il se trouvait corps contre corps. Il sut que le roi avait compris. Louis XV se releva précipitamment et s'éloigna avec effroi.
Je dois aussi dire qu'au moment où j'ai lu le passage que je viens de vous lire tout de suite, je me suis dit, mais oulala, comment est-ce qu'il va faire? Il n'y arrivera jamais, quoi. Il était pris entre les griffes de Louis XV. Finalement, je trouve que la suite est vraiment super bien trouvée. Et en plus, il y a pas mal de personnages qui arrivent. Il y en a qui aident le héros, il y en a qui nuisent à son objectif. Donc bah forcément, j'attends la suite, le tome 2, La Tsarine, avec impatience. Oui, ce livre historique est vraiment une grande réussite, car l'auteur a su allier action, humour et faits historiques. En effet, des indications du livre sont des événements réels du passé, comme l'amour impossible entre Élisabeth Ière de Russie et Louis XV, l'ensemble des espions engagés par le roi nommé le secret du roi, et la guerre prochaine contre les Anglais. Ces informations, je tiens à le dire, enrichissent énormément l'histoire. Parmi les livres historiques que j'ai lus, c'est vraiment l'un des meilleurs. Il est différent des autres qui abordent plutôt des thèmes comme la cour et ses dames, comme Marie-Antoinette ou les colombes du roi Soleil. Il aborde plutôt le travestissement et l'espionnage. Donc bah finalement, vous l'avez compris, ce premier tome nous a à toutes les deux énormément plu et nous vous le conseillons vivement. C'est maintenant au tour de Julie de nous parler de Terrienne. Le 20 janvier est une date à retenir pour tous les amateurs de littérature. En effet, ce jour-là sera publié le dernier roman de Jean-Claude Monleva, Terrienne. Cet auteur, qui a d'abord enseigné l'allemand avant de se tourner vers sa passion, le théâtre, se consacre aujourd'hui essentiellement à l'écriture de livres pour la jeunesse. Depuis La Balafre, son premier roman, il a écrit de nombreux titres comme L'Enfant Océan, La Rivière à l'envers ou Le Combat d'hiver. Il est considéré comme l'un des plus grands auteurs de littérature jeunesse. Il a également reçu de nombreux prix littéraires tels que le prix Saint-Exupéry 2007 ou encore le prix des lecteurs sur scène 2008. Il a conquis les lecteurs et il n'a pas fini car son dernier livre est époustouflant. Et de quoi parle ce livre ? Anne, une jeune fille âgée de 17 ans, recherche sa sœur Gabrielle disparue mystérieusement le lendemain de son mariage. Ses parents mettent tout en œuvre depuis un an pour la retrouver, mais Gabrielle a disparu sans laisser la moindre trace. Suite à un message envoyé par sa sœur, Anne est maintenant sûre qu'elle est en vie. Elle se lance alors dans un univers différent et fascinant, où vivent des habitants insolites, sans la moindre émotion ni le moindre contact. Anne contacte alors Virgile, un écrivain croisé en faisant du stop, et le mêle à cette aventure. Mais sans l'aide de certains habitants de ce monde, elle n'aurait pu éviter certains pièges. Mais le chemin qui mène à Gabrielle est encore long et semé d'embûches. Reste juste à inspirer profondément avant de se lancer. Peux-tu nous lire un extrait pour nous donner un avant-goût ? Oui, bien sûr. Alors, j'ai choisi un passage qui colle parfaitement avec ce que j'ai dit. Donc, je m'appelle Anne Collodi, j'ai 17 ans. Je marche sans me retourner, ma capuche sur la tête. Il fait presque froid. Dès qu'on est de ce côté-ci, la température tombe de quelques degrés et elle ne varie plus. C'est le même vieux monsieur qui m'a reprise en autostop ce matin. J'ai dans la poche droite de ma veste un scarabée vert qui est mort, je pense, mais je le garde comme porte-bonheur. Non, comme éloigne le malheur, plutôt. Ça suffira dans la situation où je me trouve. Je l'ai mis dans une petite boîte d'allumettes. Je viens de passer pour la troisième fois. Voilà. Donc c'est vraiment un passage qui m'a plu parce que ça laisse un petit air de mystère à la fin. Quand elle dit « je viens de passer pour la troisième fois », c'est quelque chose qui pose vraiment l'histoire. Qu'en as-tu pensé ? J'ai énormément apprécié ce livre. Nous suivons des personnages très attachants, au caractère surprenant, dans un monde qu'ils ne connaissent pas plus que nous. Dans cet univers différent, les habitants sont physiquement semblables aux humains, à quelques détails près. Ils ne respirent pas, leurs vies sont programmées par des scientifiques assistés par des ordinateurs et leurs familles constituées de la même manière. Et leur quotidien est l'ennui. Ils n'ont pas la moindre émotion, ni le moindre contact, ne rient ni ne pleurent, et meurent d'ennui. Par mourir, j'entends bien arrêter de vivre. Un jour, ils s'assoient là où ils se trouvent, et lassés par cette vie sans événements, émotions, restent ainsi jusqu'à être brûlés tels des ordures. Ce livre est plein de rebondissements, d'originalité et de surprises. Il m'a énormément plu et je le conseille d'ailleurs à tous. Quoiqu'il est cependant préférable de le lire lorsqu'on a atteint l'âge de 12 ou 13 ans, parce qu'il aborde certains thèmes assez difficiles, comme le commerce des femmes et certains abus. Ceci dit, c'est un livre exceptionnel. Terrienne est vraiment une fiction étonnante, des aventures palpitantes dans un monde fantastique. Jean-Claude Monleva a une imagination débordante dans son dernier livre, et je l'ai adoré. Émouvant et rempli de poésie, j'espère que, comme moi, vous en aurez le souffle coupé.